Depuis son accident de la route, Pierre Palmade était hospitalisé à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Le 10 février dernier, au volant de sa voiture, l'humoriste âgé de 55 ans percutait un autre véhicule. Le choc frontal avait causé des blessures graves sur les trois passagers de la voiture arrivant en face. Enceinte, la mère de famille avait fini par perdre son bébé. Suite à ce drame, Pierre Palmade, dont les analyses étaient positives à la cocaïne, avait été mis en examen pour blessure et homicide involontaire. Depuis, il est hospitalisé et placé sous contrôle judiciaire. 15 jours après son accident, Pierre Palmade avait été victime d'un accident vasculaire cérébral. CST pour permettre une prise en charge de son AVC que le comédien a été transféré mardi dans une unité du groupe hospitalier Pellegrin à Bordeaux. Pierre Palmade a été admis dans une unité de soins de suite et de réadaptation, SSR, qui a pour objectif de réduire les séquelles liées à un AVC. Selon les informations recueillies par BFM Télévision, ce service est spécialisé en neurologie et permet aux patients de retrouver une certaine autonomie dans leur vie quotidienne pour un meilleur retour à la maison. Et ce transfert d'hôpital est un peu comme un retour à la maison pour Pierre Palmade qui a grandi à Bordeaux et dont la famille réside toujours en Gironde. Un transfert au plus proche des siens en effet, Réanne, la mère de l'humoriste habite dans le Bordelais. Et puis, CST également à Bordeaux que travaille sa sœur, Hélène. Selon le magazine Gala, elle exerce en tant que chirurgien-dentiste attaché au groupe hospitalier Pellegrin, au sein du service de chirurgie maxillo-faciale et stomatologie. Hélène serait aujourd'hui l'un des rares soutiens sur lesquels peut encore compter Pierre Palmade selon Paris Match. Dans les colonnes du Parisien, le cousin du père de famille grièvement blessé dans l'accident s'est exprimé sur ce transfert à Bordeaux. Si est-il normal que sa mère puisse venir le voir? On respecte ça, déclare-t-il avant de conclure. L'essentiel pour nous, si est-il qu'il soit jugé. À propos de l'auteur idylle guinée curieuse de tout et empathique, je m'intéresse aussi bien à la vie des anonymes qu'à l'actu des stars. Joueuse de backgammon, j'aime les soirs de pleine lune et j'adore feuilleter les albums photos de famille. Les derniers articles très fiers d'annoncer, Charlotte Gainsbourg pose la dernière pierre à un projet de longue haleine. Douleur profonde et dépression, qu'arrive-t-il réellement à Stromae? Coolio, les causes de la mort du rappeur enfin révélées.